Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog. On est le mercredi 20... 21. Voilà, c'est ça. Je vais vous faire juste après un petit haul action. J'ai été action pour finir 2-3 petits achats. Et puis je me suis pris plein de petits trucs pour moi. Bon, j'en ai eu pour 50 euros de trucs que j'ai pas réellement besoin. Cet après-midi, j'ai sorti ma machine à coudre. Je fais ma robe. Et puis, oui, les chats, mais qu'est-ce que vous avez là à vouloir de l'attention? Je vais pas mourir, hein, je suis encore là. Je viens de rentrer du travail, là il est 13h30. Parce que j'étais à Action juste après, donc j'ai faim, mon plat est en train de chauffer, il y a des restes d'hier. Et il faut que je voie avec Kevin qui est actuellement aux courses avec son frère, donc avec le tonton de Juliette, ce qu'ils veulent manger ce soir. Parce que j'avais prévu des repas pour chaque soir à faire découvrir à tonton, nous on connaît, mais je me suis pas rappelé que normalement, le vendredi soir c'est notre rituel, on va manger chez de la famille. Donc si vraiment on y va vendredi, ça me perturbe mes plans. Sachant que ces messieurs ne mangent pas le midi, donc en gros, j'ai juste les plats à faire pour le soir. Mais je vais voir ça avec eux. Bon, je mange tranquille, je vous retrouve après pour faire le petit haul action. Et après, je couds ma robe et puis je vous filmerai deux, trois petites choses. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah non, j'ai cru qu'il y avait un bug. Voilà. Un peu fatiguée ce matin, me suis levée en retard. C'est le boulot qui m'a appelée à 7h. T'es où? Dans mon lit, j'arrive! Allez, je vous filme le petit haul vite fait avant que les garçons reviennent. Sinon, je le connais, je vais plus oser parler parce que je ne veux pas qu'on m'entende trop. D'abord, avant de faire action, je suis allée à Storomani parce que je voulais absolument, tous les Noëls, on l'utilise. Attendez, je vais allumer la lumière pour se voir un peu mieux. À tous les Noëls, on en utilise des paillettes pour les cheveux, puis on en met sur les vêtements et tout. Donc ça, j'en ai acheté une bombe, c'était 1,99 et ça va faire tout le tour de la famille. De la famille, pardon. Du coup, action, comme je sais pas quand sortira ce vlog, normalement là, Noël, c'est dans 3 jours, donc vous l'aurez largement après Noël. Mais dans le doute, je vais pas vous dire pour qui j'ai acheté. Je vous présente juste tout. Et puis après, comme ça, on verra. Miu-miu, s'il te plaît, 2 petites secondes. Je sais pas ce qu'elle a fait que de miauler. Bon, ça vous en doutez, c'est pour ma fille, mais elle l'aura avant Noël parce qu'elle en a chez mamie des petites marionnettes de doigts. Et à Action, ils font les Pat' Patrouille et les Peppa Pig. Et Juliette, en ce moment, Pat' Patrouille, Peppa Pig, elle adore. Petit serre-tête comme ça avec 2 petits pompons. Bon, ça c'est pour nous, j'ai pris du dentifrice parce qu'on n'en a plus. Ça c'est pour Juliette, je vais pareil, et c'est pas pour Noël, hein, brosse à dents avec un petit gobelet parce que bah, ça suce très vite et j'aime bien en avoir d'avance. Petit serre-tête comme ça, tout mignon. Ça c'est pour moi, je me suis pris un recourbe cils parce que le mien commence à faire un peu la tronche. Des piles, des fossiles, des petits fossiles, je vais essayer un truc. Ça je voulais trop tester, quand je l'ai vu, je l'ai pris. Bon, vous savez, c'est le truc qu'on voit partout sur TikTok, YouTube, Insta pour se faire des boucles sans chaleur. Sauf que le problème, c'est que j'ai déjà testé des milliers d'astuces et avec ma longueur et même les cheveux un peu plus longs quand je les avais là, moi, vous pouvez être sûr, je me fais un truc comme ça. J'ai la coupe à Nelly Olson. J'ai des boucles qui remontent jusque là. C'est affreux. Je pense qu'il faut vraiment avoir les cheveux hyper longs pour faire ce genre de truc. Bon, écoutez, on verra. J'ai pris, il y avait plein de petits parfums collection Disney, trop mignons. On ne pouvait pas les sentir, donc c'est un peu au petit bonheur à la chance. C'est des petites eaux de toilette pour les enfants. J'ai pris deux Rois Lions. Moi, je me suis pris tous les. Vous avez peut-être, si vous êtes sur TikTok, entendu parler. Il y a des miniatures, il y a aussi en gros, mais j'ai pris que des miniatures à 99 centimes. Que des dupes de grands parfums. Genre celui-là, je crois que c'est un dupe de Marc Jacob. Il y a celui-là, je crois que c'est La vie est belle. Enfin, que des parfums de luxe. J'ai pris tout ce qu'il y avait. Si j'aime bien, tant mieux, je les garde. Si je les rachèterai en gros limite. Et si j'aime pas, je me dis que j'ai pas perdu mon argent, 99 centimes, et je le donnerai à ma maman, ma soeur ou ma mamie. Voilà, j'y allais principalement pour ça. Petit parfum là dans le thème Disney, La Fée Clochette, et le même avec Marie des Aristochats. Ensuite, je me suis repris des petits patchs au charbon pour les points noirs. Deux petits labellos Bambi. Me suis repris un petit masque. Là, j'ai pris au kiwi, avant j'avais au charbon. Petite brume, je parfume Juliette avec ça. Enfin, il y en a toutes les couleurs hein, et j'avais quasiment tout testé. Et elles sentent très très bon, donc n'hésitez pas. Petite bombe de bain, une autre brume pour le corps, thé orange. C'était quoi ce bruit? J'ai peur. Et 2 crèmes pour les mains, animaux. Un lama et un koala. C'était quoi ce bruit? Donc je vais remettre tout dans le sac. Là, je vais aller, comme d'hab, vu que je viens de manger, cleaner la cuisine, comme ça sera tout propre. Je voudrais essayer de voir avec les garçons quand ils rentrent ce qu'ils voudraient manger. Comme ça, j'essaierai de préparer un peu en avance éventuellement. Et puis, faut que j'aille chercher Juliette un peu plus tôt ce soir. Enfin, ce soir, cet après-midi, à 4h chez ma maman. Donc forcément, 4h, ça me coupe un peu la journée parce que moi, ça me fait partir d'ici à...
à 15h45, même un petit peu avant, au cas où s'il y a du monde. J'ai un colis Vinted à aller récupérer. Enfin voilà, je vais faire tout ça. Mais ce que je voudrais principalement faire, bon, j'ai mon aspi à faire, mais ce que je peux le faire aussi ce soir. Là, je veux faire, c'est ma robe. Je fais ma cuisine et après, je m'assois, je fais ma robe. On ne me demande plus rien. En espérant l'avoir finie pour aujourd'hui. Comme ça, je l'essaye ce soir. Si elle me va, si elle ne me va pas, je fais des petites retouches demain. Et après, on n'en parle plus. Fini, boujou, bonsoir. Allez, et puis j'aimerais bien ranger la maison parce que Miss Juliette, elle m'en colle de partout. Je vais faire ça. Ah bah, les voilà. J'ai fini le haut, le pile poil. Les voilà. Bon, je vous reprends en contre-jour. Je suis désolée, ça va s'autofocus tout seul. Et je suis devant ma machine à coudre. Je fais ma robe. Là, je suis en train de faire ma canette avec du fil noir. Ah bah, ça se connecte tout seul. Et puis, les garçons, là, ils sont repartis. Ils sont arrivés, ils sont repartis parce qu'ils ont oublié deux, trois trucs pour manger ce soir. Et puis, il n'y avait pas les boissons là où ils ont fait les courses. Donc, ils sont repartis tout de suite, comme ça, ce sera fait. Et moi, je fais ma robe tranquillement. Et puis, voilà, écoutez, je vais vous filmer un petit peu quand je fais ma couture. Et puis après, la soirée, quoi. La petite soirée. Voilà. Bon, je suis trop contente, vous me voyez, pile poil, je viens d'aller essayer ma robe, voir, j'ai fait les... En fait, clairement, je suis pas une pro, j'ai fait un petit peu à l'aveugle, il y avait des pinces hein, sur mes ourlets où je devais faire, mais j'ai fait un peu à l'aveugle, et c'est parfait, je pouvais pas mieux faire, c'est pile poil à ma taille, c'est exactement ce que je voulais. Je vais juste venir renforcer un peu les points avec un point zigzag. Pardon. Et puis comme ça, après, je range tout ce qui est couture, c'est fini. Je vais quand même appeler ma mamie si elle veut pas que je fasse son ourlet de pantalon, parce que un pantalon de Noël, elle a toujours pas fait l'ourlet, ça fait 2 ans. Est-ce qu'elle va le mettre un jour, son pantalon? Je ne sais pas. Donc je vais renforcer un petit peu mon point. Et puis après, je range tout et je m'attaque aux chaussures. Vous ne me voyez pas? Ça m'énerve. Et après, j'essaierai de m'attaquer aux chaussures parce qu'en fait, j'ai commandé sur Vinted à 1 € ou 2 une paire de chaussures noires, tout ce qu'il y a de plus basique. Et j'aimerais les décorer avec du tulle que j'ai acheté. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je veux faire. J'en ai pour 2 minutes avec un point de colle. Je voulais aussi essayer un petit make-up de Noël, mais ça, je pourrais le faire ce soir avec Juliette. C'est pas bien méchant vu que je vais la chercher un peu plus tôt. Tandis que coller et tout, je peux pas trop le faire avec elle. Et il me restera du coup quelques petits paquets, quelques petits emballages à faire avec ce que j'ai acheté tout à l'heure. Et puis voilà, je pense qu'après tout ça, c'est plutôt pas mal. Demain, je ressors, j'ai plus de batterie, je vais aller la mettre à charger. Demain, je ressors juste après le travail. Je vais à Tourville acheter pour mes beaux-frères 2 petits trucs qui me manquent, que j'avais pas du tout. Et puis, je n'ai rien pour Kevin non plus parce que je vous avoue, de base, on s'est dit pas de cadeau cette année. On a autre chose à penser, on invite. La bouffe, c'est déjà un énorme budget. Je pense qu'on a largement éclaté le budget, mais on voulait juste se faire plaisir, faire plaisir à tout le monde au niveau de la bouffe. Et du coup, oh, j'ai mis mes écouteurs. J'aime bien être dans ma bulle quand je couds, quand je fais un truc que j'aime. Et du coup, on s'était dit pas de cadeau. Mais je me dis, lui, il va m'acheter un truc, c'est sûr. Donc, je prends un truc. Mais ça se trouve, je lui ai acheté un truc alors que lui ne m'a rien acheté. Après, je m'en fous qu'il m'ait rien acheté, honnêtement. Mon cadeau, c'est d'être dans ma maison avec Kevin et ma fille, quoi. D'être en bonne santé, c'est ça mon cadeau. Mais non, j'ai envie de lui faire un petit cadeau. Ah. J'ai 3 idées. Parce qu'il y a 2 idées qui sont plus que hors budget. C'est-à-dire qu'il a vu une montre à 250 €. Honnêtement, de mettre ce prix-là dans une montre, il a déjà 2 belles montres qu'il met jamais. Qui met jamais parce qu'au travail il a peur de l'abîmer. Quand on sort, il n'y pense pas. Voilà. Je sais qu'il veut un kit de jardinage Ryobit qui coûte pareil 200 €. Et ça, ce serait bien utile pour la maison. En même temps, je me dis, c'est pas. Je sais pas si ça lui ferait plaisir. Tu vois, je me dis, c'est pas pour lui. Et sinon, je lui ai cassé sa gourmette qu'il a au poignet depuis toujours, et enfin depuis que j'ai offert. Donc je me dis, sinon, je lui rachète juste une gourmette. Ça, c'est l'option raisonnable parce que je sais que j'en aurai pas pour excessivement cher. Je sais pas trop. Après, je me dis, est-ce qu'on n'est pas mieux de garder un peu nos sous? Puis on a prévu de se faire un petit truc l'année prochaine avec Juliette, de dormir sur place dans un zoo avec la vue sur les ours ou les pingouins ou les tigres. Enfin, c'est Juliette qui va choisir. Je me dis, est-ce qu'on n'est pas mieux de se garder nos sous pour s'offrir ça, quoi? Je sais pas, je réfléchis, mais il me reste que 2 jours, enfin, il me reste que demain, parce que vendredi, il est hors de question que j'aille faire les magasins pour autre que de la bouffe. Le vendredi, il faut que j'aille chercher toute la nourriture qu'on a commandée au traiteur, les bûches, la vaisselle qu'on a commandée à notre travail. Donc j'aurai très certainement autre chose à faire.
Allez, je vais finir le bourrelet de ma robe, j'arrête de parler, puis je vous retrouve après pour les chaussures si j'ai le temps. Donc, je pense que oui. Bon, je vous reprends dans un endroit où je suis pas souvent en ce moment quand je vlog, le canapé. J'ai fait deux montages vidéo, dont un que je vous ai posté aussitôt. C'est mon vlog journée ménage. Hein, il n'y a pas grand chose d'intéressant, mais voilà, je voulais vous le poster, ça fait toujours ça. Et moi, bien souvent, les vlogs que j'aime, enfin que j'aime pas, que je trouve pas très intéressants, que j'ai pas envie de poster, c'est bien souvent ceux que vous préférez. Donc j'ai décidé de les poster, sauf si vraiment je suis pas satisfaite, etc. Et là, je viens de monter un deuxième, c'est le vlog où je vais chez le coiffeur. Voilà, qui s'exporte. Donc je suis vraiment contente, comme ça j'en ai mis un, on est mercredi, j'en remets un ce week-end. Et j'ai tout cela que j'ai vlogué aussi à monter et tout. Franchement, je pense même que je vais vous les mettre un peu avant. Je vais essayer de carburer niveau montage pour que vous les ayez en temps et en heure et que le vlog de Noël qui est ce week-end, vous l'ayez pas 15 jours après quoi. Et pendant que j'étais en train de faire ça, j'ai Kevin qui m'a appelé, qu'il était reparti aux courses avec son frère en me disant, bah écoute, on a fini, il est 3h30, est-ce que tu veux qu'on aille chercher Juliette? Donc ça m'a grave fait plaisir. Je sais qu'il voulait aller chercher Juliette avec tonton pour qu'elle soit surprise et tout. Donc comme ça, il est en train de... Il va la chercher, moi j'ai pas à ressortir, c'est vraiment cool. Voilà, du coup, le repas de ce soir. Bon, il est pas prêt, mais ça va être très vite fait. J'ai juste des pommes de terre à faire cuire et la sauce au cheddar et tout. C'est Kevin qui s'en occupe. Faudrait que j'essaie de vous la filmer. C'est une recette au cookie dough, mais vous pouvez faire hors. Enfin, vous pouvez la faire si vous n'avez pas de cookie dough. C'est juste que c'est beaucoup plus simple. C'est pommes de terre, cheddar, knacky, et c'est tellement, tellement bon. Ouais, on va faire ça ce soir. Oh, j'ai froid. J'attends ma Miss Juliette. On va jouer un petit peu. J'aurai le linge. J'ai une machine qui tourne. J'ai mes serviettes de bain à détendre. J'ai mes ongles à faire parce que ça fait une semaine, je dis faut que je les enlève et là ils se sont enlevés tout seuls. Donc ça va être la bonne excuse, je vais faire ça ce soir. Je vais les enlever, les laisser se reposer un petit peu et comme ça je verrai pour ce week-end ce que je fais. Voilà. Oh, j'ai gardé mon soutien-gorge quand j'ai essayé ma robe. Parce que sinon c'est nos soutifs toute la semaine. Sauf si on sort, mais sinon c'est nos soutifs. Voilà, du coup, bah écoutez, je vous reprendrai tout à l'heure. J'ai faim un peu, donc je vais aller goûter. Pourtant j'ai bien mangé ce midi. Mais voilà. Non, elle sait pas marcher toute seule. Tu l'apprends à marcher à ta Barbie? Ouais, t'es prête pour avoir un petit frère ou une petite sœur? D'accord, tu vas demander à papa. Et on joue pas sur les placards de la cuisine, bébé. Apprends à marcher à la Barbie. Oh, elle est tombée. Ouf. J'ai plus de pansement. Hé hey, maman, elle a un truc pour toi. J'ai un cadeau pour toi. Je vais le chercher. Oui. Va ranger la Barbie, j'arrive. Stop. Tu es prête? C'est quoi? C'est des marionnettes comme chez mamie. Des marionnettes sur les doigts. Je...